tout de suite après la pub dans Drama de Star. Nous nous retrouvons ici, devant la maison de Marie Lehmann, où la reporter Mila Tabouret de Somnium Productions vient faire une interview. Marie s'apprête à vous raconter l'incroyable soirée qu'elle a passée avec son groupe lors de la soirée du 1er avril. Bon, je dois t'expliquer beaucoup de choses, tu sais. Parce que hier, nous avions un concert, la nuit, tu sais, à l'Orfort. Nous avons un groupe de 4 personnes et nous devions jouer avec le bassiste. Tu sais, il a eu un accident. Il est tombé au sol et il s'est tapé la tête. Il est allé à l'hôpital parce que sa tête était cassée. Il a envoyé ça au milieu de la nuit. Et je me suis réveillée le matin, j'ai regardé mon téléphone et c'était la panique partout. Nous ne savions pas quoi faire et nous avions un concert la nuit. Oui, alors j'ai écrit à Marco. J'appelle Marco et j'ai dit qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Parce que... Comment je danse sur la basse? Alors, il a dit, ah, nous demandons à Jonas. Et Jonas a dit, c'est trop compliqué. Et nous avons demandé pour Lucie, tu sais. Alors, on les a appelés. Ils ont dit, ok, on fait un show. Wall Bliss, tu sais. Parce que je ne voulais pas ne pas jouer à l'Orfort. Parce que c'est un endroit que j'aime vraiment. Si bon. J'ai appelé la serveuse de l'Orfort. Je lui ai dit, j'ai tout expliqué. Elle m'a dit, non, c'est bon. Je veux juste de la musique. Alors nous sommes allés, nous avons joué de la musique. Et c'était vraiment cool. Il y avait beaucoup de gens. Le show était vraiment incroyable. Oui. Le Lucie et Jonas, c'était rock'n'roll, vous savez. Punk rock fois deux. Alors on a fait ce show. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Romain le bassiste. Celui qui s'est cassé la tête. Il est venu pour une chanson. Il est fou, ce jeune homme. Avec le bandeau sur sa tête. Je dois vous montrer mon plafond. Parce que c'est vraiment un bel endroit. Alors, on a tout fait sans lui. Et c'était OK. Alors, ça, c'est le frigo. Tu peux prendre ce que tu veux. Bonne nuit.